Bonjour et bienvenue dans ce Face à la Rédac spécialement consacré aux 24 heures moto. Alors comme vous allez le voir, hein, ici c'est l'ambiance. Je me trouve actuellement au parking rouge où les motards sont déjà bien installés. Ils commencent déjà à faire la fête, hein, vous pouvez le voir. On va faire le tour, on va faire le tour du camping. On va aussi aller faire un petit tour près de la piste. Allez, suivez-moi, c'est parti. Installé depuis jeudi matin, 7h, arrivé à 7h à peu près. Et alors d'où est-ce que vous venez? Du Loir-et-Cher. Ouais, vous aussi. Loir. Et alors vous avez constitué toute une bande de potes là pour venir? Ça fait quelques années qu'on vient ici, on est une trentaine. Donc on est une trentaine de motos. On a une logistique, tous les ans il vient avec son matériel, avec les tentes. Il en arrive ici le jeudi et il a tout... Tout le temps, il met les tentes, il installe les tentes et puis voilà. Il y a des mariages, il y a des ceci, il y a des cela, donc il y a des absents. Et puis il y a un bel absent, justement, on l'a mis en photo. Il est de mariage, il est un peu déçu d'être pas là, mais pour Jean-Philippe, pipip. Voilà, c'est pour ça. Il est de mariage, il est un peu déçu d'être au mariage. Bon, imaginez, et pourquoi est-ce que les 24 heures, c'est un rendez-vous pour vous incontournable du coup? On a par exemple des Parisiens, des personnes qu'on voit qu'une fois par an, des amis qui viennent juste au Mans qu'on voit qu'une fois par an. Oui, voilà, c'est le fait d'être entre potes, entre c'est tout. Amis, c'est se retrouver, moi ça faisait 8 ans que j'avais pas retrouvé, voire 11 ans avec certaines personnes, et ça fait toujours plaisir. Donc que ce soit les 24 heures du Mans ou le Grand Prix, mais 24 heures Mans, on va dire que c'est le contexte qui veut ça, c'est tout. Ouais. C'est plus la fête qui est autour. Mais la course en elle-même, vous allez venir, vous allez la voir quand même. On va la voir, on y va de temps en temps. Ah non, mais c'est sûr. Ah non. Bah sinon, on irait faire une brocante ou hein, on s'installera en brocante. Mais là, non, franchement, on va y aller. Avec un temps comme ça cette année. En plus, c'est magnifique. Alors vous avez l'air d'être au top de l'installation. On voit, il y a le camion, il y a la tente et tout. Quels conseils vous donneriez, vous qui avez l'air hyper rodé sur l'organisation? Ça dépend de la météo. Hein. Rien que pour la nourriture, pour se déshydrater, d'année en année, on peut avoir des surprises. N'importe quel climat, on a connu quelques années à faire cramer des palettes, à être tous autour, en train de boire un coup ou manger autour des palettes brûlées. Mais bon, voilà, c'est qu'on vient même, c'est le contexte, et on est ensemble entre potes, que flotte ou pas flotte, voilà, c'est 24 heures du Mans, c'est le charme de. Voilà, c'est la mentalité motard. C'est tout. Le pèlerinage. C'est ouais. Tout. C'est magnifique. Plus on s'organise, parce que c'est de plus en plus dur aussi. Hein, plus on vit, mais. Et moi, on picole. Non, je déconne. Non. Au moins, pour les gens qui se plaignent, avec modération, c'est évident, c'est important de le rappeler. Il y a des gens qui se plaignent toujours que, bon, bah voilà, après l'événement, par contre, c'est un peu sale, il y a des détritus. Est-ce que vous ramassez? Vous avez une organisation précise? Vous avez préparé. Nos poubelles sont rangées là-bas, tout est. Non. Après, si tout le monde faisait pareil, ça serait très bien. Ouais, vous ramassez tout en partant, ça c'est important. Hein. Regardez, il n'y a pas de bière par terre, tout est dans le sac poubelle. Depuis quelques années, c'est devenu une obligation, donc on s'y met tout, c'est tout. Allez, on quitte l'ambiance bon enfant du camping pour nous rapprocher du cœur de l'action, le circuit. Et nous voici maintenant tout près du circuit où j'ai l'honneur d'être avec Dominique Meillan, le patron du CERF Suzuki. Bonjour. Bonjour, bonjour. On a envie déjà de savoir comment est-ce que vous allez. Ah ben ça va bien, les tuyaux sont bien en état, la plomberie est en très bon état, donc faut que je fasse attention quand même, faut pas non plus, je suis pas un surhomme, donc voilà, faut essayer de gérer la fatigue, et je vais essayer de la gérer pendant ces 24 heures qui vont être difficiles, parce que va faire chaud, et puis c'est long 24 heures. C'est donc un petit peu stressant aussi. Alors, on va essayer que les tuyaux ne s'en mêlent pas. Alors, on imagine que vous êtes heureux d'être ici après un an d'absence. Ah ben, le mot est faible, oui, heureux, parce que c'était quand même un petit peu embêtant ce que j'ai eu. Donc, je m'en sors bien. C'est déjà une grande joie. Et puis, me retrouver au cœur de l'action, oui, ça, c'est un délire. Alors, comment est-ce que vous la sentez, cette année, la course?
Ah, je la sens toujours bien avant le départ. Des fois, ça se complique pendant, mais non, non. Une course, c'est toujours compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Ça n'est jamais parfait. Une moto de course, elle n'est jamais finie. Elle est toujours en continuel, j'allais dire, développement. C'est un développement de tous les jours, de tous les tours de roue. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Mais non, non, mais je la sens bien et ça va bien se passer. Ouais, d'autant plus que là, la moto est nouvelle, hein, avec plus d'électronique dessus et plus légère. Eh bien oui, on a gagné du poids. C'est un petit peu comme moi, j'ai gagné du poids avec mes tuyaux. Eh bien, à l'usine, on a gagné beaucoup de poids sur le châssis, sur les pièces moteurs. On a fait beaucoup, beaucoup, un très, très gros boulot sur l'électronique. Et l'électronique, ce n'est pas simplement une histoire de promenade, de facilité. C'est quelque chose qui permet d'aller plus vite si c'est bien réglé, si c'est bien géré. Et donc, nous, le but, c'est d'aller toujours, toujours plus vite. Alors, c'est un aide. Ça aide le pilotage, c'est vrai. Mais comme au pilote, comme il est aidé, on lui en demande plus, donc il est aussi fatigué. Mais nous, on va plus vite. Donc voilà, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. C'est bien, mais on veut plus. Alors voilà, c'est ça la compétition. Et les pilotes, ils ont eu le temps de la prendre bien en main, là, la moto ? Oui, oui. Alors, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. À moto nouvelle, réglage un petit peu nouveau. Et puis là, à la fois la bonne chose et un petit peu l'handicap, c'est ce fameux soleil qu'on a eu hier. Alors, c'est une bonne chose pour le public. C'est vrai qu'on dit, ah, il a fait super beau. Nous, c'est un petit handicap parce qu'il a fait très, très chaud. La piste était à 40-45 degrés, 45 degrés même bien. Et donc, on a, depuis le mois de septembre, on a fait des essais. Mais tous les essais que nous avons faits, c'était sous la pluie. Donc là, bien, les réglages ne vont plus, les pneus, il faut retomber sur des pneus qui vont être adaptés aux températures de la piste. Donc c'est beaucoup, beaucoup de développement sur un temps très restreint. Il a fallu mettre les bouchées doubles et le tout avec une moto que l'on ne connaît pas encore parfaitement. Des pilotes qui aiment leur moto mais qui encore voudraient apprécier les petits recoins de la moto qui vont permettre de faire mieux. Donc voilà, on est un peu limite dans les essais, c'est vrai, on n'a pas fait. On aurait préféré bien sûr faire un petit peu mieux. On est cinquième, on aurait aimé être devant, c'est évident. Mais je pense que les gars ont bien travaillé et que pour la course, on va un petit peu changer l'ordre des cartes. Alors en plus, il faut récupérer des trophées maintenant que vous n'en avez plus beaucoup après le vol dont vous avez été victime. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été retrouvés. Hein. Il faut retrouver de nouveaux trophées, là. Eh bien oui, on va courir après les nouveaux trophées, plein. Alors je ne sais pas si on en aura plein, mais enfin c'est un petit peu le but de la maison. Et puis ces anciens trophées qui me tenaient beaucoup à cœur. Vous savez, un trophée, ça n'a aucune valeur marchande. On ne peut pas acheter un trophée. On l'a parce que c'est le résultat d'un travail de toute une équipe. Le travail des pilotes, le travail des mécaniciens. Et c'est le, si on veut, c'est le gage d'un travail qui a été bien fait, d'une course qui a été bien menée, bien gagnée. Et c'est vrai que sentimentalement, ça reste ancré. Alors piquer, se faire voler un trophée, c'est se faire voler un petit peu une petite partie de soi-même pour quelque chose qui, aux possesseurs d'aujourd'hui, leur donne rien, si ce n'est avoir une espèce de bol. Eux, ça ne leur cause pas. Nous, ça nous cause énormément. Moi, je suis sûr que vous allez retrouver plein de nouveaux trophées. De toute façon, vous auriez plus la place de les ranger tellement vous allez en avoir. Merci beaucoup en tout cas, Dominique Mélian, de nous avoir accueillis. Merci. Alors si des fois, les gens qui nous voient avaient un petit trophée comme ça, voient des petits trophées qui traînent, ramenez-les à la maison. Voilà, merci beaucoup Dominique Mélian. C'est la fin de ce Face à la Rédac spécial 24 heures moto. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.